Yo les gens, c'est Razan, aujourd'hui on se retrouve pour le Go to the MOAB épisode 7. Et aujourd'hui on se retrouve avec la FAD. Alors je vais pas vous mentir, ce gameplay, j'ai hésité longuement à vous le proposer, car il est extrêmement long et extrêmement pénible, on va dire. Il se passe pas grand chose. Alors oui, c'est une MOAB à la FAD, oui, donc la FAD est plutôt compliquée à gérer. Mais c'est vrai que ce gameplay, il est pas... Je suis franchement pas très fier. J'ai tenté de vous faire un meilleur gameplay c'était hier et aujourd'hui. Mais je vous avoue que j'ai pas non plus, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, vraiment pas de chance et tout. Et puis de toute façon, vu que cette vidéo apparaîtra pendant mes vacances, si tout se passe bien, cette vidéo apparaîtra pendant mes vacances. Et enfin, pendant mes vacances en tout cas, ça veut dire que je serai pas là. Et que, mais grâce à un système super ingénieux, je pourrai quand même vous publier des vidéos. Mais ce que je voulais dire, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire déjà? Non, sérieusement, ce que je voulais dire justement, c'était que j'ai pas eu le temps de refaire un. Je m'en rappelais plus que ce gameplay était aussi long et ennuyeux. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu, franchement, je vous avoue que j'ai pas non plus essayé pendant une semaine, non, non. J'ai essayé une journée ou deux, je crois, même qu'une seule journée. Hein. Je crois que j'ai tenté quelques parties, puis ça m'a vite saoulé. Et donc c'est pour ça qu'en fait... ce gameplay il est pas bon et j'aurais peut-être dû vous proposer un gameplay de meilleure qualité sur la FAD. Mais au pire, si je vois qu'il y a vraiment trop de commentaires négatifs, je pense que j'en ferai un avec une petite musique derrière, histoire de bien vous illustrer cette FAD. Donc maintenant on va pouvoir parler un petit peu de ma classe. Je joue avec ma classe FAD avec visée solide, assassin et tour de passe-basse, pardon. Alors, petite particularité, on va dire, de cette classe, c'est qu'en troisième atout, j'ai tireur d'élite au lieu de pillard. Enfin, vous allez me dire, enfin, j'ai enlevé tour de, j'ai enlevé pillard. Enfin, à la limite, je pense pas que ça dérangeait quelqu'un, mais bon, je pense que vous en avez un peu marre de voir toujours les mêmes atouts sur les mêmes. Enfin, j'utilise un peu les mêmes atouts tout le temps et je pense que ça peut vous gaver. Mais à la fois, bon, c'est vraiment ceux qui sont les plus efficaces et ceux qui me correspondent le mieux, disons. Et donc c'est pour ça. Et je pense qu'avec la FAD, qui est une arme, on va pas se le cacher, extrêmement précise, je pense que c'est l'arme presque la plus précise avec la CR. Tireur d'élite, c'est super efficace car cette arme, on l'utilise de loin, on l'utilise pas. Voilà, donc maintenant je vais passer à la FAD que je joue d'ailleurs avec le silencieux. Et je crois que c'est tout. Ah oui, petite précision, je suis avec mon coéquipier de ma team XZ3 Gamer. Encore, vous allez me dire encore une fois. Oui, bon, on joue souvent ensemble. Hein. Regardez là, par exemple, vous voyez, le viseur n'a pas bougé. Bon, j'ai pas réussi à le tuer. Mais justement, je vais en profiter de cette petite séquence, pardon, pour justement vous dire, voilà, que vous voyez, j'ai mis 3-4 balles de loin, voire 4-5, et il est toujours pas mort. Donc, effectivement, cette arme ne bouge pas. Elle a un viseur extrêmement pratique. Moi, c'est un viseur que j'apprécie énormément. Mais son grand défaut, c'est tout simplement sa puissance et sa cadence de tir, qui sont vraiment moindres que d'autres armes, comparé à un ACR. Bon, je compare toujours avec un ACR, mais même comparé à une arme comme la Scarelle, elle reste trop inefficace face à des ennemis à courte portée. Donc c'est pour ça que avec cette arme, je privilégie vraiment la longue distance. Et c'est aussi une raison pour laquelle ce gameplay est un peu plus ennuyant que les autres. C'est tout simplement que j'évitais d'aller au contact, de rusher. Parce que c'est vite fait hein, de rencontrer une MP7, une PP ou une autre arme, une mitraillette. Et de se faire défoncer parce que la FAD n'est pas assez puissante. Donc il faut impérativement drop shot. Je pense que vous allez voir à chaque fois que je suis au corps à corps, je drop shot. Tout simplement parce que c'est le seul moyen de rivaliser avec des mitraillettes. Donc c'est pour ça que je privilégie énormément le combat éloigné que le combat rapproché. Chat, oui, bien sûr. Et ça, je pense que vous pouvez comprendre. Voilà. Petite chose aussi que je vais vous parler, puisque de toute façon, je pense que j'ai à peu près tout dit sur la FAD. Donc oui, hein, donc les conseils que je peux vous donner, c'est tout simplement d'essayer de temporiser un peu, d'être sur des hauteurs.
Pas camper, hein, moi, regarde, dans ce gameplay, je campe pas. Je prends pas de risque, c'est sûr. Je ne rush pas, c'est sûr. Mais je ne campe pas. Ça, celui qui dit que je campe, je suis tout à fait. Je suis pas du tout d'accord avec, avec cette réflexion. Je ne campe pas, je prends juste pas de risque. Donc, une autre chose que je disais. Oui. J'ai trop de mémoire là. Oui, donc les conseils que je peux vous donner, c'est simplement d'essayer d'être sur des hauteurs. Oula, petit lag. Sur des hauteurs. En essayant d'aligner les ennemis de loin. De préférence quand ils ne vous voient pas. Car vous aurez peut-être pas le dessus si l'adversaire a un ACR ou même un snipe. Donc faut faire attention à ce que toujours. Faut toujours s'assurer qu'on ait le dessus sur l'adversaire, même à longue portée. Car c'est pas parce que cette arme est extrêmement précise qu'à longue portée, elle est on peut pas rivaliser avec elle. Voilà. J'ai cherché un mot qui puisse expliquer ça, mais j'en ai pas trouvé. Irrivalisable. Non, je sais pas. voilà. Une autre petite chose, parce que ce gameplay est plutôt long, vu que je prends pas beaucoup de risques. Comment dire. On me fait remarquer souvent que mes commentary manquent de punch. Vous allez me dire, le gameplay aussi manque de punch dans cette vidéo. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes me disent, voilà, tu manques de punch. On veut plus un petit peu de speed, de joie. Enfin, alors, pour moi, je pense que je fais pas la gueule non plus. Enfin, comment dire. Je pense que je suis contente de faire ces vidéos et ça se voit. Après, c'est sûr que je comparais à des youtubeurs. Bon, je vais vraiment citer, mais c'est vraiment à titre d'exemple. Des Bismuth 3, des Code Jordan 23. Enfin, c'est ce genre de. Des Squeezie par exemple. Ce genre de youtubeurs qui sont vraiment hilarants. Enfin, je veux dire, on kiffe regarder ces vidéos, mais on les regarde pas pour le gameplay, mais tout simplement parce que ils ont la joie de vivre, et ils nous font rigoler et ça nous fait vraiment marrer. Et c'est pas ce genre de youtubeur, je veux dire. Pourquoi ? Enfin, j'essaye d'être le plus naturel possible, essayer d'être le plus détendu possible. Donc, moi, je suis apte. Enfin, je veux dire, je veux bien rigoler et tout. Mais après, c'est sûr que quand on différait, je vois pas trop ce que je pourrais faire de drôle, quoi. Les choses drôles, c'est en live. En différé, je veux dire, je vais pas chanter, je vais pas danser, je vais pas raconter de la merde. Enfin, je pense que vous pouvez comprendre ça. Alors oui, c'est sûr, peut-être qu'ils sont un petit peu monotones. Et je vais essayer quand même de mettre un peu plus de punch, d'appuyer un peu plus mes paroles, ça c'est sûr et certain. Mais après, au niveau de d'être drôle, ça c'est pas ma vocation. Hein. En différé, je peux pas être drôle. On peut pas tous avoir le don de faire rire. Je dis pas que je fais que des blagues de merde et tout. Hein. Loin de là, mais je m'estime que je suis drôle, mais disons que j'ai du mal à. Enfin, comment dire, j'ai du mal vraiment en vidéo à dire des conneries, quoi. En différé, je suis dans mon truc, je commande, j'ai le gameplay sous mes yeux et je peux pas trop déconner ou dire vraiment des choses stupides ou je sais pas. Ou alors, ce qu'il faudrait, c'est que je sois accompagné en commentary, accompagné de plusieurs personnes. Ouais, j'ai eu très très chaud là, le barreau d'honneur, franchement, fucking barreau d'honneur. Je me serais fait tuer, j'aurais ragé, mais oh, on m'aurait entendu dans toute la pièce. Dans toute la maison plutôt, parce que dans toute la pièce c'est normal. Oui, donc vous voyez, hein, ça fait encore un bon bout de temps que je suis en série, et j'ai toujours pas la mob. Bon, je vous rassure, elle devrait arriver dans quelques secondes. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce gameplay, non, je confonds, excusez-moi. Non, c'est pas ce gameplay, c'était le gameplay avec le scorpion. En fait, j'avais juste dit, voilà, que. C'est une petite anecdote sur mon gameplay avec le scorpion d'ailleurs que j'aurais peut-être dû vous raconter. En fait, c'est mes compagnons de team, donc il y avait Ease, Estro Gamer et Estorzerg, qui sont d'ailleurs maintenant Flint et Twint. Donc respectivement, Flint c'est Destroy et Twint c'est Storzerg. Et en fait, ils m'avaient dit, ouais, je baisse le son, enfin je te mute, parce que bon, après tu vas rater ta mob et tu vas nous faire chier, tu vas nous casser les oreilles et tout. Et ça, je m'en rappelle et tout, c'était plutôt marrant puisque il m'avait dit, bon, ouais, je te mute déjà. Quand je leur avais dit, ouais, je suis à 2 de la moab, ils m'ont dit, ouais, je te mute, sinon tu vas rager comme un porc et tout. Et ça m'avait fait rire. Donc voilà, une petite anecdote sympa. Et puis, bon, vous voyez que je fais une petite double kill avec ma moab, donc les rage kits, quoi, hein, ça c'est toujours chiant. Donc voilà, maintenant j'espère que ce gameplay vous aura plu. Moi j'espère
Je suis bête, moi. J'espère que ce gameplay vous aura plu. En tout cas, moi, je suis toujours contente de vous commenter des gameplays. Prenez soin de vous et ciao à tous!